Bon, et alors, il y a des nouveaux qui arrivent, mais il y a aussi des anciens qu'on ne revoit plus, à l'image d'Antonin et de Kim. Alors, est-ce qu'ils t'ont manqué sur le tournage ? Je sais qu'avec Antonin, c'était pas forcément le grand amour, ni avec Kim d'ailleurs. Avec Antonin, c'est vrai qu'on a eu des hauts, des bas, parce que je reprochais son côté un petit peu manipulateur, calculateur. Mais après, Antonin, je le déteste pas, ça reste quelqu'un qui fait rire et... Non, j'ai rien contre lui, donc, mais personnellement, il m'a pas non plus forcément manqué, c'était pas mon meilleur ami. Kim, c'est vrai que ça fait bizarre, ça fait un petit vide, parce qu'on a l'habitude qu'elle chante, qu'elle crie, qu'elle fasse l'alarme. Enfin, ouais. Kim, quoi, du grand Kim. Ouais, mais elle est bien dans Les Anges et moi, je suis contente pour elle. Je l'ai eu au téléphone, ça me fait plaisir. Tu l'as regardé justement dans Les Anges ? Ouais, j'ai regardé 3 épisodes pour Kim, parce que les autres, je connais aucun personnage. Bah, d'accord. Si, je connais Anthony, le mec de Kim, et bah, Mila qui a fait les... Ouais. C'est tout, les autres, je sais même pas d'où ils sortent.